Toi qui as charmé toute ma jeunesse, redis-moi encore comme au plus beau jour, nos belles chansons que certaines délaissent, redis-moi encore nos chansons d'amour. Sont des choses qui appartiennent à la pratique moderne et contemporaine, les contrechants. Est-ce que ça vous convient plus? Ça vous plaît plus? Ah bah oui. Ça enrichit le morceau quand même de rajouter un contrechant, ça. Ça fait moins plat parce que si on joue tout le temps la même mélodie... J'adorais Patrick Bouffard quand j'étais petite, et enfin j'aime toujours, quoi. Mais il y en a d'autres, enfin ils sont... Lesquels par exemple? Je sais pas, Laurence Pachemel, c'est ma prof de vie, mais Annie Soa, Stéphane Durand, Thierry Noir... Comment vous en êtes venu à la composition? Je ne compose pas. Je sais pas, ça vient tout seul. On a envie, on essaye des notes et puis après, voilà. Oui, en fait, à chaque fois que je fais un stage, il y a des petites choses qui se rajoutent, j'apprends des choses différentes et ça enrichit de plus en plus mon jeu, en fait.
Est-ce qu'on peut vous mettre dans l'appellation musique traditionnelle ou est-ce qu'il faudrait donner une autre définition s'il faut faire un critère? Non, c'est de la musique traditionnelle. Enfin, c'est des morceaux trad. Ouais. Arrangé de maintenant, mais sinon, ça reste traditionnel. Donc, si on vous demande chapeloise, cercle circassien, mazurka, valse, bourrée à deux temps, bourrée à trois temps, tout ça, c'est bon. Oui. Si une fois, nous a demandé un twist, alors on ne savait pas en jouer. Donc ça veut dire que maintenant vous arrivez à une certaine maturité musicale. On essaye. Je sais pas trop. On essaye de mélanger tout ce qu'on nous a appris. Et... Disons que ça évolue, mais je sais pas si on peut dire qu'on arrive à maturité. Au fait, vous avez bien trouvé que Cap 23, c'est Claire, Anne, Pauline, de Creuse.